Vous pouvez les applaudir à nouveau sur la route du 1400 et du 15e quartet. Sébastien, Vanessa et Daniel.
soirée exceptionnelle. Je vais également appeler les officiels russes qui sont avec nous cette semaine. Ça nous fait plaisir qu'ils soient avec nous sur scène quand on les présente. Vladimir Konkov, le responsable de la délégation, qui est accompagné de son épouse. Et je vais applaudir bien fort le directeur de la compagnie Bayanov à Kazan. Madame la députée du Tatarstan, Madame Emereva. Gouzia et Mereva, que je vous demande d'applaudir également, qui représente la région d'Almétiès, où viennent les danseurs. Avec son époux, qui est accordéoniste, qui peut nous rejoindre aussi. Vladimir, que vous pouvez applaudir bien fort, qui est professeur d'accordéon à Almétiès. Je voudrais également appeler notre sponsor, Monsieur Vladin, directeur de la compagnie Tatargaz, qui est également accompagné de son épouse. Ça vous a plu? Oui. Alors, demain, c'est Bromont-Lermotte. Après demain, c'est Pelpeza. Après, c'est Amessé, à Bess, à Eda. Et puis, la Bourboule et la Clodure, ça sera le 10 septembre, au terme de Mondor. Donc, je remercie l'ensemble de municipalités ainsi que monsieur le maire. Je vais traduire après à toute notre délégation tous les cadeaux et tous les partenaires qui ont participé pour cette ouverture. Et j'aimerais que de passer la parole à madame la députée, et je vais traduire pour qu'elle nous dise quelques mots. Monsieur le maire, madame la députée, il souhaite de dire deux petits mots. Мне очень приятно присутствовать на этой земле, потому что на самом деле татары и французы очень родственный народ. Мы одинаково любим, любим свою землю, любим свой язык, свои традиции, музыку. Мы одинаково открыты, дружелюбны друг другу. Мы даже по территории Франции и Татарстан примерно одинаковы. Мы искренне рады присутствовать здесь и всех вас. Приглашаем к себе на нашу родную землю, Республика Татарстан. Alors, vous n'avez peut-être pas compris, je vais traduire. Ça, c'est le hymne de Татарстан. Puisque madame la députée, elle vous invite tous dans son pays.